les occupations et surtout dans le cadre de la sensibilisation Covid-19. Donc l'honorable Denis Safou s'est excusé. Donc, nous allons le recevoir le lundi prochain. Donc il sera avec nous. Oui, bonjour à Bruno Dinga, Moro Djambé, et pourquoi pas aussi Alain Cabon de l'autre côté, et Kifou des merci, de DT José Andia, et Romain Macon de la programmation. Donc José Montiri, heureux anniversaire à vous, bon anniversaire aussi. C'est signé Jacques Wandenga Boisou, lieutenant-colonel J.P. Topoa, bon anniversaire à sa dame, Maman Julie, alias Ma Julie, en direct de Badialingui. C'est bel et bien pour votre plaisir, Maman Natacha Mbenza. C'est signé Fredo Montiri, Stéphie et Prince Montiri. Jacques Wandenga Boisou qui souhaite un heureux anniversaire à Maman Julie, alias Ma Julie. Alors, bon anniversaire à vous tous si vous êtes nés aujourd'hui. Et nous vous rappelons, on devait nécessairement recevoir l'honorable Daniel Safou qui insiste sur le simple fait qu'on doit nécessairement travailler ensemble pour lutter contre le coronavirus. Et si vous êtes opposant, si vous êtes la majorité, ce n'est pas le moment. Maintenant, là, c'est le moment de combat. Il faut que nous soyons tous unis pour lutter contre Covid-19. Ça, c'est le message de l'honorable Daniel Safou. Alors, on va recevoir rapidement notre invité qui est déjà là. Et nous allons aussi très rapidement vous rappeler que l'honorable sensibilise la population et il lutte contre Covid-19 sur terrain pour que sa base puisse vraiment avoir comme ça quelques orientations capitales parce que la santé n'a pas de prix. Merci, honorable Denis Safou. Rendez-vous lundi à 10h. Il sera avec nous. Mais place à un autre invité qu'on va recevoir rapidement. Prenez place, monsieur l'invité. Avec lui, on va parler la santé. Donc, on va parler social. Maître Joseph Kanjingoulou. Donc, lui-même va encore donner des précisions concernant son nom. Et on a passé les temps. Donc, on passe directement à notre sujet du jour. Mais nous n'oublions pas aussi monsieur Bienvenu Ansimba Nanantsel. Bien des bonnes choses à vous. Monsieur de la prière, c'était les ossements. Monsel Vieux. Voilà. Donc, rien à dire. Et nous n'oublions pas aussi Boss Lutumba. Et pourquoi pas son excellence Florent Chiba depuis Brazzaville. Bien des bonnes choses à vous. Vous dites monsieur Nicole Mondial. Et nous n'oublierons pas aussi Claude Malouma. Ça c'est très bien. Allez, l'invité, avec lui, on va insister sur la santé. Hein? La santé. Hein? Parlons les sociales. Dans les sociales, quand on dit santé de la population, les sociales de la population, avec notre invité. Alors, bonjour maître. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, par la grâce du Seigneur. Toujours geste barrière? Parfaitement. Il faut respecter les mesures. Parce que, comme vous le savez, si cette mesure n'est pas respectée, c'est comme si on est en train de se sacrifier davantage. Il faut observer toutes les mesures, les conditions émises par les autorités et les comités de la riposte. Nous en tenons et nous conseillons tout le monde de suivre ces conseils. Maître Joseph, présentez-vous. Une présentation complète pour nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Merci, messieurs les journalistes. Vous êtes en face de maître Joseph Kanjingoulou. Je suis porte-parole de l'association. Vous pouvez enlever pour qu'on voit. Hein. Ah oui, les bien gens. Que l'harmonie est déjà correcte. Ah, oui. Voilà. Mais on doit aussi voir. Ça va. Ouais, ça va. Le temps que je puisse annoncer avec maître. On va insister sur le social. Donc, maître Joseph, tu es ta cité dans le social. Donc, tu as fait un SMS, tu as appelé un message pour tout le temps en haut, pour préoccupation vous en haut, pour le sujet à l'heure, tu as fait un cité dans le social. Et il y a beaucoup à remettre pour décortiquer Makambo et Ozali, très capital. Vous avez une association, Ozali, côté de Makambo, en tant que porte-parole, Boussa Rani, comme association Ozali, Penza Nini. Ok, merci monsieur Doudou. Association Nabiso, comme on a dit, c'est dynamique pour la santé du peuple. Dynamique pour la santé du peuple. Oui, la dynamique pour la santé du peuple a ses objectifs. Bah, objectif Nango, premier objectif principal, c'est le développement intégral de l'homme.
Développement intégral de l'homme. De l'homme. Mettre l'homme au centre du développement. Cela veut dire, on peut voler un peu, tutuper les slogans, les peuples d'abord. Le peuple d'abord. Les peuples d'abord. Ça, c'est votre, ça va dans en fait, l'optique. Donc, vous partagez le même, en fait, la même vision que le président de la République. Tout à fait. On peut l'affirmer parce que pour les, la dynamique pour la santé du peuple, la DSP en cycle, oui, c'est l'homme qui est au centre de toutes nos activités. Cela veut dire tout ce qui est fait par le régime actuel, le pouvoir en place, son excellence présidente de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et puis le gouvernement dirigé par les maîtres de maître, par Sylvestre Ilunga Ilunkamba, nous affirmons haut et fort que notre association soutient toutes les actions qui sont en faveur du bien-être de notre peuple. Parce que les activités menées par notre association, comme je peux le dire, même à Lingala, parce que Batwala, Nabisho Baza et Bélé, par exemple, la circonscription électorale de Mweneditu. Mm-hmm. Notre association a mené les investigations. Tokoutet et Batwazo, mais la Maïmokwa Salité. Na Mweneditu, dans la province de Lomami. La deuxième ville, parce que la première ville, c'est là où le chef est installé, le Kabinda. La deuxième ville, les Amouenéditou. Association Nabisso, avec la main forte de notre coordonnateur, M. Freddy Mukendi, il a financé, to kiti na Mweneditou, to ciblé 25 sites où il s'est mis tout aménagé. To salé titre, avec l'accompagnement de la structure CNHR, dirigé par le directeur Bilaka, il nous a accompagnés avec des associations, des personnes que nous-mêmes nous avions supportées. Tout qui n'a pas monné du tout, tout saliba de marche, tout a été organisé par notre association, la dynamique pour la santé du peuple, en association avec l'IPI, l'Union des paysans, qui est aussi une ONG locale. Tout sali, nous avons vraiment fait un travail de titan. Qu'est-ce qui s'est passé? Tokuti ke batwazo me la mai moko mabe, to sali ba étude to financer. Nous avons 25 sites. Oyoyo le loyo, to sali li ba de marche, ba tunyon so ba se rendre compte, so ba liki na Mweneditu, ba komona été. Nous sommes en train de chercher maintenant là les financements. Oui. Il nous faut justement $180,000, $180,000 seulement. Mais vous savez ce qui se passe dans ce pays. Si on a juste $180,000, on peut aménager 25 sites dans Mweneditu. Par votre micro, j'ai lancé un appel vibrant chez tous les notables ressortissants de Lomami, Kabinda, Ngandanjika, Mweneditu. Notre association a ciblé d'abord la ville de Mweneditu. Les ministres de justice, les vice-premiers ministres, c'est mon grand frère notable de chez nous. Les ministres de l'urbanisme, Pius Mwabilu, c'est un notable de chez nous. Mais vous aviez une association qui s'intéresse à la population locale de Mweneditu. 25 sites ciblés. Si on a pêché au bas image doudou, avec Okolela. Oui, la montée. Et Zali, mais Zana Moutou Kalibanda. Mais Okolela. Ça l'a pris sa. Parce que bah, image, Joanne Zo Sale était. Si on a mis la main à la salité. Salité, ma casse. Namoko Ndekonayo Naza, candidat malgré la Mweneditu. J'ai bâti la campagne pour l'actuel chef de l'État. Bah, voter à 100%. Il a les statistiques. Parce qu'aujourd'hui, il joue la République. Ouais. Je crois qu'il a toutes les informations. Chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même mes affiches portaient son image. Mais Mweneditu a voté à 100%. C'est ainsi que je lance l'appel. Pour aménager ces 25 sites à Mweneditu, à travers notre association Dynamique pour la santé du peuple, d'espèce en cycle, il nous suffit tout simplement $180,000. $180,000. Et on doit aménager 25 sites. Mais les sites, d'une manière globale, c'est plus de 70 sites. Source d'eau, où les gens se ressourcent. Mais nous avions ciblé seulement 25. Parce qu'on n'avait pas les moyens. Ça a été financé par nous-mêmes. Déplacer des experts de CNHR, de Kinshasa, Mweneditu, ça vous coûte. Le billet d'un individu allait comme retour $500. Ils étaient à 2 000 $ leur séjour, toujours à Mweneditu. Et puis, ce que je parle, c'est sous contrôle du directeur général de CNHR. Ce ne sont pas notre association. Nous prenons d'abord la vérité, la transparence, la sincérité. Donc, je ne peux pas alléguer, citer les noms ici abusivement. Donc, c'est vérifiable, contrôlable.
on passe au Sénéchal, les documents sont là, que je détiens ici. Voilà, et un numéro qu'on pourra peut-être contacter. Nous contacter. Oui, non, le numéro est là, je peux passer, c'est 085 224 1013. 085 224 1013. C'est notre numéro. Dynamique pour la santé du peuple. Le peuple est d'abord. Bien-être, il y a pas peuple, il y a bis au peuple. Là, vous êtes au niveau de mon édito. Mais de façon générale, est-ce que le peuple a zoko jouir? Peuple d'abord. Tu as un téléphone, tu as l'autre, tu as frère, tu as SMS. Est-ce que le peuple, le social à peuple, il en est une? Bon. Est-ce que le peuple a aussi retrouvé? Les lots au Eboye. Déjà, dans ton il fallait acheter de l'eau. Mais il y a des gens qui ont dit, mais ah, dès que moi, comme il y a des gens qui ont dit, je suis en train de faire des choses, je suis des Batika Penza, tu es dans le monde déjà. Oui. Il y a une facture, ça reste à vérifier pour y aller. Il y a un message message de comité. Bah, tu es la facture. Franchement. Là, tu es là, moi, on est là, on est là, on est là, on est on est là, 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 mon tour m'a bidon, donc il faut 5000 francs ou 6000 francs pour le ressembler à Maï. Doudou, question là, c'est une question très importante. Lorsqu'on parle du social, il y a l'électricité. Maï et Sali. Et ça a mangé, il y a les routes et autre chose. Le social, c'est un grand ensemble de plusieurs éléments. Lorsque Kinshasa Maï et Sali, c'est pour moi, le binaïo pour la mission au dynamique Nabiso et Sali. Dynamique pour la santé du peuple, la DSP. Lorsque le président, le coordonnateur, oui. Freddy Mukendi, na kina campagne électorale, na ebisakio, que yo nangai, tout ça va candidat, ouais, candidat malheureux, mais moi je ne m'appelle pas candidat malheureux, je suis un candidat expérimenté, parce que j'ai l'expérience aujourd'hui, et je connais ce que notre peuple a besoin. Donc à deux reprises. Mais je vous dis à deux reprises. C'est ça. Maître, ouais. Un mot par rapport à ça. Et j'ai besoin d'un délai, Koupiro. Bon, ça là, quand il y a un mot, il y a un bon ami, il y a un bon ami, il y a une mission. Mais, et ça, c'est le cinéma, quand il y a un salabiso. Il y a un autre chose, il y a une innovation. Alors, il fallait, dans ma camionne, tu y as un bon. Cinéma, revoir ma camionne. Quartier Bino Bozali, c'est un quartier qui est dans la ville. Sur l'émission ministre, sur l'émission des autres qui national. À quoi fout en gros? Mais ce qui en a qui m'a ces aboyés, ma base n'a moins dit tout. Ma camionnette, je suis à Maï. Si ce qui n'a niveau à Maï, il va souffrir. Et nous lançons même l'appel à Maman Denise Nyakere, parce qu'à Yébi, tout ce qui demande, n'a pas de la fondation Naïe, pour la situation où il y a 25 sites à Maï, tu aménager déjà, il y a un peu d'effort, il y a un et l'autre chose, la dynamique pour la santé du peuple. Je voudrais insister sur les objectifs. Oui. Objectif Nabiso et dynamique, c'est le développement intégral et à l'homme congolais. Surtout côté Naba, objectif spécifique, nous sommes en train de prôner la bonne gouvernance, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la lutte contre la corruption et la lutte contre la pauvreté. Lutte contre la pauvreté, je vais prendre les derniers points. Nous voulons ici faire quoi? Tous les cinq ministères et agriculture, pêche et élevage. Assalène fort dans les petits paysans, dans les villages, à travers la République, va financer Bango. Il n'y a pas longtemps, avant ma COVID-19, à mon avis, le financement est bel et côté dans le ministère. Et c'est ce qu'il va canaliser. Vous avez dit, Doudou. Moro Djambé, il a trop. Au moins, je pose la question. Soyons sérieux. Dans le pays, dans le pays. Tout condamné, c'est ma net régime au Tikoneka.
Vous savez, moi, je suis de l'opposition. Donc, en fait, on s'est de l'angaté. Na outil opposition, je comprends. De l'angaté. Na mini choyo, nana ko salarié sous opposition na mboko été parce que j'étais dans l'opposition pendant 38 ans avec Étienne Tshisekedi du Amulumba. Nous sommes les Tshisekedistes. Nous devions affirmer ça haut et fort. Tout le temps, il y a pénurie, il y a peine. Il y a Étienne Tshisekedi, nous avions subi ça. Aujourd'hui, malgré que je ne suis pas de l'IDPS, mais au nom des personnalités politiques que je suis, ma base de Mwenedite m'a obligé de soutenir l'actuel chef de l'État. Je vous pose la question. Après Covid-19, l'économie n'a plus Africa extra-extive. Nous dépendons beaucoup plus de l'extérieur. Ce qui est au bilangate, tu vas vivre une économie extravertie. Commençons par Kinshasa, plateau de Bateke. Identifions les paysans qui sont là. Pour financer Bango. Parce que Bango est un sali bilan. Même si Mbongo est un peu côté, mais si on est lié bien, on est un peu de moussala. Parce qu'après cette crise liée à la pandémie, coronavirus, scientifiquement Covid-19, je vous dis vrai, mon frère. Plus écoute à l'amour. Ce qui est un sali, ton petit intérêt dans le bilan, c'est un bébé Simboka. Objectif spécifique la DSP. Je vous ai parlé de la lutte contre la corruption. Vous aviez appris la création de l'agence de la lutte contre la corruption. Cette agence, elle est la bienvenue. Je sais certaines personnes au bazar, tout autour du chef de l'État, avant coûte, Félix Tshisekedi, béton, à l'État président de la République, nous avons travaillé sur cette agence. Parce que j'apprends, il y a certains députés qui se donnent la Ligue parce qu'ils ont proposé la loi pour dire que ce sont les visionnaires de l'agence de lutte contre la corruption. Je dis non. L'agence de lutte contre la corruption, à l'initiative du président, l'actuel président, nous avions travaillé sur cette agence avant même que le chef de l'État passe comme président de la République. Vous comprenez? Je vous pose la question. Parce que nous n'avons plus le temps, sinon la jupe sous temps est belée. Au Moni, projet Esprit de vie. Bis esprit de fils aussi, on est dans là. Et ça, projet Moko Oyo, parce que c'est le social. Parce que notre association parle du social. Okay. Et ça, projet créé en 2014 par le président honoraire, Joseph Kabila. Parce que moi, je peux ne pas voir plusieurs points, soit les points positifs dans son chef pendant sa gestion, mais je retiens du moins la création du programme Esprit de vie. Mais aujourd'hui, qu'on a besoin de gérer le programme Esprit de vie. Allez-y voir. Batoisan a 18 mois, bazo fout à maté. Oh, mais les sociales, c'est aussi les salaires. Les salaires. Mais c'est là que nous sommes en 18 mois, un paiement. 18 mois, dans le programme Esprit de vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Ba collègue, ba régulateur, ba contrôleur, ba désigné 3 personnes. Allez-y, lorsque le chef de l'État a ça qui, ba 100 jours, naïe. Oui, il y a 100 jours, il y a un macambo et belé. Il y a des sous aux attentes, il y a 2 minutes, il y a 100 jours. Oui, qu'est-ce qui se passe? L'air ba collègue ba désigné biso que na cadre 100 jours ba tunyon sur zakana ba arriéré ba mi pessing dingisa ba saisir présence de la République pour na ba arriéré na ba tout monaka on attra sala capé ba de ba crève banine to comme la présence de la République. Nous avons été reçus au collège politique par un conseiller de l'INC après qu'on a ba yambi biso pas actuel directeur de cabinet adjoint Eberand Kolongel ayambi biso. Nous avions travaillé, il y a un PV qui consacre la voie de sortie de nos 18 mois. Mais tu sais ce qui est curieux, je suis sûr que aussi tout. L'air de Monique est signé PV Naba, toi présidence, nous sommes passés sur vos collègues de la Top Congo. Tu remettais juste à Bakonzi. Parce que bah, faut 18 mois tiens, seulement parce que bah, trouver une voie de sortie. On a dit que les trois régulateurs ont été suspendus pour une durée indéterminée. Pourquoi? Ils ont fait quoi? C'est seulement parce que va remercier le chef de l'État, parce qu'il y a un PV signé dans la directrice de cabinet adjoint Eberand Kolongel. Je l'ai vu aujourd'hui reprocher les ministres et la fonction publique, mais qu'ils sachent que Bissot a signé un PV naïe. Je l'ai eu au téléphone, ministre de transport, Aboya Koyamba Bissot, mais sur son instruction, Ayamba Bissot. Mais jusqu'à présent, nous sommes restés sans suite. 7 mois. Vous pouvez vous imaginer dans ce pays, parce que vous remerciez le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'à trouver voie de sortie, il y a ba arriéré na bino. Ba fouti bino na noté. Juste un PV signé na présidence. Boleki na Top Congo, non, non. Ça, c'est une bonne idée. To bunda, il y a depuis 2016,
to mona suite mais avec avènement ya Fatshi to komi to saliba séance de travail na directeur de cabinet à Dieu naïe PV signé mais pour to consacrer va de sortie. Nous sommes passés sur les médias top Congo to remettre seulement ba konzi ba sanctionner biso to sali 7 mois to zo salati mais na pandémie kokuta biso na ba confinement. C'est pourquoi nous avons la DSP, dynamique pour la santé du peuple. Nous allons combattre la corruption dans ces pays. Comment expliquer que dans ces pays, lorsque vous êtes en train de défendre la bonne gouvernance, la bonne gestion, la gestion rationnelle de la chose publique, vous êtes victime de certaines personnes qui ne veulent pas que les changements aient un amboka. Nous avons un ministre des Transports. Au jour d'aujourd'hui, ministre des Transports, Monsieur Didier Mazel, Ayambibiso déjà, Ayebake, Moutou Azaka conseiller routier, ou les lois d'adresser des cabinets quelque part. Alors nous sommes en train d'annoncer tout simplement, Togozonge le Michon Moussou Togotanga Bakombo. Vous allez comprendre. Parce que Mokoyo, Moutou Moussou Togotanga, c'est prétendre parce que Zana Babo frère Naye, parmi les coordonnateurs, il y a telle telle structure. Il se permet de tout faire. Et que les kate et que simbate. Tous les gens ministre de la transport. Bissot va réquilater l'esprit de vie. Oyoyo va suspendu parce que va remercier mon conjambok. Oyambi Bissot déjà ministre de la transport. Oyambi Bissot na cabinet na yo. Yebake, Makambo conseil routier sortant et Bissot a pour ça yo mingi. D'abord, tous les gens ont une somme d'argent mobilisée pour na kofuta barriere na Bissot. La somme d'argent on a tout mona suite na yangote ne bitu manabiso na conseil routier sortant ce qui a évité biso l'air quand tu l'es venu j'ai tous les éléments ici to comme le nouveau ministre des transports to transférer ye ba courrier na biso ya ba 12 mois 8 mois derrière tinen to comme ka ba 18 mois azanango mais ce qui est grave ba otiko kabole bis na out awe otiko leka. Biswana est généré 144 000 dollars. C'était que Mbongwana est diminué barrière à taille à 2-3 mois. Mais ça fait déjà 2 mois. Bazo foutabantouté. Mbongwana est Keyouabi. Mais c'est dit à quoi? C'est... Mais non, c'est le ministre actuel. Il y a un Biswa Boya. Mais c'est grâce au directeur du cabinet du chef de l'État, Tangwa, Nastololina et téléphone, à Pesse, à Bengiye, à Yambi Biso. Nous appelons même au premier ministre. Sylvestre Ilung Ilung Kamba. Mais vous êtes un papa digne et vous gérez mieux. Moi, je suis en train d'observer votre gestion de loin. Vous sentez qu'il y a la responsabilité. À tous les ministres, il y a transport. Okay. Gestion, il y a esprit de vie et zandengenine. Dynamique pour la santé du peuple. Oui, c'est le social. Objectif Nabino, lutte contre la corruption, bonne gouvernance. Oui, l'indépendance aussi... du pouvoir judiciaire et la lutte contre la pauvreté. La pauvreté aussi. Si je peux placer un mot en rapport avec l'indépendance du pouvoir judiciaire. Très bien. Vous saviez que la constitution actuelle de la RDC consacre trois pouvoirs. Nous avons le pouvoir législatif, qui est le Parlement et le Sénat. Nous avions le pouvoir exécutif, qui est bicéphaliste, parce qu'il y a le président de la République, qui est le chef de l'État. Et les premiers ministres, les chefs du gouvernement. Il y a les cours et tribunaux, les pouvoirs judiciaires. Et les cours et tribunaux doivent travailler d'une manière indépendante. C'est pourquoi j'ai aimé, quand il y a eu la sortie, il y a premier président de la Cour constitutionnelle et du procureur près de la Cour de cassation. Parce que dans un pays, je peux prendre, parce que le droit aussi a les droits comparés, sauf aux États-Unis. Vous aviez appris la fois passée qu'un juge de la Cour suprême des États-Unis a bloqué la décision du président Donald Trump. C'est un exemple et c'est une notion. Cela nous veut dire que le pouvoir judiciaire est respecté aux États-Unis, mais comme le Congo, c'est un État démocratique, respectons les instances. Même ce qui se passe en rapport avec les travaux des 100 jours. Laisser les parquets généraux de Matete, les parquets généraux de la Gombe, les tribunaux des grandes instances, des parts et d'autres, qui fassent leur travail. Vous comprenez? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez dit que le régime de Joseph Kabila, Batounyo se va reprocher l'impunité. Non!
C'est que moi, je suis en train de conseiller l'actuel chef de l'État. Lorsque vos collaborateurs gèrent mal, toute la responsabilité vous revient. Joseph Kabila, au jour d'aujourd'hui, dites-moi, je te pose la question. Esprit de vie, pour te surprendre. On l'a fait les discours en 2014 devant les congrès de la création d'un programme qui donne aux particuliers les bis à crédit. Mais je vous dis, mon frère, programme anglais, ça n'a jamais été créé juridiquement. Oh, ça c'est grave. Mais je t'ai dit, l'actuel ministre, grâce à nos notes techniques, nous qui sommes suspendus aujourd'hui, parce que j'ai ri l'arrêté où a été créé un programme Esprit de vie. Vous voyez que le programme Esprit de vie annonce et créé en 2014, mais document juridique est comme en 2020, tant que Fatih est au pouvoir, en 2019, n'est pas créé. Mais quand j'ai lu cet arrêté-là, rien d'autre que les propositions faites par notre équipe qui défendait nos 18 mois d'arriéré, qui se trouve aujourd'hui être suspendu. Mais ce que je conseille au chef de l'État actuel, ba ministre, ba député, na ba conseiller na yo, l'air se comporte mal. Vous avez des preuves? Ba komo na bangoti. Ah bon? Mais je vous dis, en 2023, on ne verra pas tous ces conseillers-là, tous ces directeurs-là de ministres, on verra les chefs de l'État. Aujourd'hui, dossier à programme Esprit de vie, 2014, on a fait lire à Joseph Kabila sans être créé juridiquement. Les lots Oyo, quand on parlait même la fois passée des fausses commis de Maloukou, tout ce qu'on parlait. Vous voulez me dire que tout ça, c'est Joseph Kabila qui quittait sa maison et allait commettre toutes ces bêtises-là? Quand les gens qui vous entourent gèrent mal, vous, en tant que numéro un, ça vous revient. Vous, vous êtes là chargé de la production. S'il y a les erreurs au niveau de la production, ce ne sera pas les moraux qui seront vus. C'est vous, les directeurs. C'est là, quand vous êtes chef, vous devez être très discipliné, très rigoureux envers les gens. C'est comme ça que la dynamique pour la santé du peuple, nous vous annonçons, avec la création de l'agence de lutte contre la corruption, nous allons documenter les dossiers Esprit de vie. Et nous demandons au ministre actuel qu'il ne tombe pas dans les erreurs. Il y a un conseiller routier sortant qui est directeur des cabinets quelque part. Je ne vais pas citer là où il est directeur des cabinets. Parce que ça ne m'engage pas, ça ne me sert à rien. Mon souci, c'est que l'actuel ministre des Transports, s'il veut se rendre compte sur la gestion du programme Esprit de vie de 2014 à ce jour, qu'il mette tout autour de la table les comités de gestion actuels dirigés par M. Fabien Mabunda Bessan, qui est un agent de l'ANR. Et il est là, il met tout le monde en prédation. Il fait... Mais je t'ai dit, il y a deux preuves. Comment ça, c'est pas possible ça? Bisso Moutto, télématique pour toi qui est de collant de dossier, on va suspendre Bisso. Et bien, Mabloba, M. Mabunda Fabien, à l'obini, va bengé na Bisso, la Bisso Tofandi, qu'on a dans le cabinet ministre. À l'obini, on a battu na Kosala na Bangote. Au sein de Bangote, pour la Nine, on a dénoncé que Mabebo Gera. Oui, mais que Bisso a des associations de Moutto va bénéficier de Bisso. Vous comprendrez, hein? L'association va bénéficier de Babis. Il y a une complicité dans l'association. Ils sont contre maintenant quand les régulateurs réclament leur salaire. Mais les. Mais là, dites-moi, la famille Boni, pour la sociale, paye un salaire à mon tout et on va permettre à quoi qu'on vive. Oui. La famille Boni, les parents Boni, ils se retrouvent dans le contexte de 18 mois de paiement autour de moi. Mais c'est ça, très grave, messieurs les journalistes. Et ça, les régulateurs ont été en Bandaku, ils ont été en Bango, ils Congo. Été en Congo. Ils ont 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 juste une semaine. Ils ont été en Congo. 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 Ils ont été en Didier Mazeng, ministre des Transports. Les Palou, parce qu'il est du Palou, Palou prône les sociales. Mais lorsque les gens cherchent à vous rencontrer, les gens, vous savez pour ces dossiers-ci. Le Palou, c'est le peuple vainquant, non? Le peuple vainquant. Vainquant, c'est ça, moi. Comment? Le peuple vainquant, n'a pas le. Oui, et chez eux, là, ils disent le peuple vainquant. Ce que moi, je sais, les credos du Palou, c'est les sociales. Ce sont les socialistes. Même les secrétaire général, il m'entend quand je parle. Alors, en définitive. Leur ministre attend le dossier à Esprit de vie bien. Alors, yo, en tant que porte-parole à Dynamique pour la santé du peuple,
tout ce qu'il y a au bout de 3 minutes, on fait ce 3 minutes, voilà, on va s'y conscrire un peu, pour faire sa conclusion. Vous avez la poussée à la gouvernance malade, on a beaucoup d'habits, pour lutter contre la corruption, pour lutter contre la pauvreté. Après Covid-19, vous trouvez que vous avez tout à Bilanga pour nous arrêter. Alors, si vous avez tout à l'heure, vous avez impayé, arrêté il y a 18 mois, c'est terrible, c'est trop ça. Donc, que faire maintenant? Piste de solution. Piste de solution parce que nous, on est une association qui prône le social. Oui. La première des choses que je vais demander au président de la République et au premier ministre, suite son gouvernement, c'est d'être très rigoureux en matière de finances publiques. Parce que sans les finances, on ne peut pas promouvoir aucun secteur. Pas à la très souple, qui ne suivent pas les flatteries, je ne peux pas aller loin. Vous savez, mon frère, il y a des ministres, quand ils font une sortie médiatique, c'est flatter les chefs de l'État, flatter les premiers ministres, mais derrière lui, il fait autre chose. Et quand ils sont même dans des conseils des ministres là, vous les verrez tout le monde en train de sourire, mais rencontrez-les maintenant dans leur cabinet, vous allez voir. De Lyon. Oh. Mais je l'ai vu, je ne peux pas citer les noms ici, mais quand il me suit là, il sait de quoi je parle, parce que je lui ai rappelé quand tu m'as réussi. Piste de solution, Premier ministre, Atala Magambo, FCC, Cash, la Moukate. Social à paix. Social à paix. Parce que FCC, Wano, Azaki n'a pouvoir 18 ans. Soto Zotala n'a FCC, FCC, finalement, Toké Ndewapi. Soto Talanipe, Cash, Cash, Tozo Kende, Wapi. La Mouka. Parce que, il y a un point que j'allais oublier. Au Moni Gestion, il y a Fonds National, il y a Criso. Place va titulariser Cardinal oui. Ambon. Je suis en train d'encourager cela. J'encourage ça. Très bien. Ce sont les hommes honnêtes. Et puis d'autres solutions. Les petites possibilités que nous avions aujourd'hui, les gouvernements, sur l'impulsion du chef de l'État, va diriger vers l'agriculture. Très bien. Aux hommes, la solution à Zopes. Bassa Bilanga. Bilanga, Tolona. Et puis Bilangango. Point de chute. Si on peut cibler premièrement, on commence par les plateaux de Bateke. Plateau de Bateke. À Kinshasa, oui. Bakongo, oui. Bandundu, d'abord les provinces qui sont tout autour de Kinshasa, on finance, on va ailleurs. Je ne vous parle de Mweneditu. Mweneditu. À Mweneditu, il y a un village qu'on appelle Mushia. Oui. À Mushia, au Moni Loso, oui. Et Zanaba étendit Minene, Loso Zobima Malam. Tout ça la bilanga. Tout ça la bilanga. Va financer. Va financer secteur agricole. Pêche et élevage. Il faut que l'appel au chef de l'État. Nous, les candidats malheureux de Mweneditu, nous avons des preuves. 25 sites au déboursé de Jambon Monabiso. Il nous faut juste 180 000 dollars pour toi aménager 25 sites. Numéro de téléphone pour aussi ça. Bon, numéro de téléphone, si on veut nous contacter, nous répétons, c'est 085 224 10 13. Bandila. 085 224 10 13. Merci. Le peuple d'abord, les sociales, c'est d'abord ça qui est prioritaire. Nous sommes arrivés au terme de votre émission. Doudou Montir, vous remercie. Merci à Mouro, Njambe, Bruno Nzinga, Demasi Kifou, Alain Kabongo, DT José Andia et les programmes aussi. Nous vous retrouverons demain. Portez-vous bien et bonne suite des programmes. Appelez-nous si vous voulez passer au numéro affiché